Et il s'élance pour le prix Maurice Caillot. C'est la sixième course du programme avec le numéro 5, Météorique, qui a pris un très bon départ à la corde. Devant le numéro 7, High Dynamite, mais également le numéro 2, Optimus Prime, qui accélère maintenant pour s'installer à son tour en tête. Complètement en dehors, c'est le 4, Red Tornado, avec à la corde le numéro 6, Carif, qui arrive devant l'As Almanar, avec à l'arrière-garde Abraham, ainsi que Piment Rouge, le numéro 8. Optimus Prime, le numéro 2, qui augmente son avance. 5-6 longueurs d'avance maintenant sur le peloton. Un peloton qui est emmené par le numéro 5, Météorique, avec le numéro 7, Aydenamak, qui vient en troisième position. Carif, qui est quatrième côté corps, précédant le numéro 1, Almana. Red Tornado venant un peu plus loin, précédant le numéro 8, Piment Rouge. C'est le numéro 3, Abraham, qui est pour le moment en huitième et dernière position. Optimus Prime, le numéro 2, avec François-Xavier Bertras. Une dizaine de longueurs d'avance maintenant. Devant Météorique, le numéro 5 et deuxième. En troisième position à l'extérieur, le 7, Aydenamak, avec en quatrième position à la corde, patientant le numéro 6, Carif. Carif qui vient avec Red Tornado et l'As Almanar qui est toujours à l'arrière, alors que Piment Rouge est en avant-dernière position, bien loin du leader, comme Abraham d'ailleurs, le numéro 3, qui ferme la marche, car le leader Optimus Prime a toujours une centaine de mètres d'avance alors qu'ils sont maintenant dans le dernier tournant. Optimus Prime, toute voile dehors, effectivement une bonne centaine de mètres d'avance sur Météorique, qui ne réagit pas pour le moment, avec Aydenamak qui est troisième, Carif quatrième côté corde, Red Tornado, Almanar venant ensuite dans cet ordre, le précédent, le 8, Piment Rouge, et le numéro 3, Abraham. Optimus Prime qui débouche en tête dans la dernière ligne droite. Il reste encore 500 mètres à parcourir. Est-ce que le peloton va pouvoir revenir, notamment à la corde, avec le numéro 5, Météorique, qui est à son extérieur, avec le numéro 7, Aydenamite, qui est lancé par Julien Auger, ou encore avec le numéro 1, Almanar, qui vient à l'extérieur à maintenant 350 mètres du but. Optimus Prime qui a l'avantage, mais le peloton qui fond maintenant sur lui, avec notamment Météorique, Carif également, avec Aydenamite, ainsi que Piment Rouge maintenant, qui est lancé complètement à l'extérieur. Piment Rouge, Carif qui lutte pour la victoire avec Aydenamite qui se défend bien. Piment Rouge de plus en plus fort à l'extérieur, qui prend l'avantage. Aydenamite qui tente de repartir. Piment Rouge, Aydenamite, Piment Rouge, quel meilleur Piment Rouge qui va remporter ce prix Maurice Caillot. Deuxième place pour le 7, Aydenamite. La troisième place pour le 6, Carif, devant le numéro 5, Météorique. Il y a du rythme, hein, avec la présence d'Optimus Prime. Les chevaux qui ont attendu ont pu revenir de l'arrière-garde, notamment Piment Rouge, hein, qui a bien voyagé. Alexis Vadel qui a monté une sage course d'attente. Il vient ajuster le 7.